Bonjour à toutes, à tous et bienvenue sur, dans cette toute nouvelle vidéo de Attila Total War Bataille Multi. Je me retrouve encore une fois face à Redemption. Bonjour. Cette fois-ci, on a tous les deux pris les Alains, si je me souviens bien, t'as pris les Alains aussi, hein. Ouais. Oui. Donc on voulait essayer nos compos, nos différentes compos. Donc moi j'ai pris une compo avec de la semi-élite et un tout petit peu d'élite dedans. Lui il a privilégié un nombre d'épéistes élites un peu plus grand que le mien, mais après il a pris de la merde on va dire. Enfin du moins bon, bien que ce soit quand même du Du niveau 2. middle, du middle. C'est quand même du niveau 2, hein. C'est Ah pas... oui, sur 3, c'est la moitié. C'est pas mal, hein, on va dire. Donc vas-y, commence par partir ce que tu avais dans ton armée. Je vais me rapprocher pour qu'on puisse voir. Donc moi j'ai 4 archers germaniques d'élite. Ils font pas beaucoup de dégâts, mais ils ont une très bonne portée, ça peut être très utile. Attends 2 petites secondes, je vais montrer la portée. Hein. Donc voici le cercle de portée. Comme vous voyez, c'est affolant. Ça touche la moitié de la montagne en face. Hein, donc c'est pas mal. Alors derrière, tu as quoi? Alors derrière j'ai deux guerriers aguerris d'élite sur mon flanc gauche et sur mon flanc droit j'ai trois groupes de guerriers Saamarat, j'ai quatre lanciers germaniques et j'ai en réserve trois guerriers aguerris d'élite plus mon général ce qui est un guerrier Alain. Et enfin c'était la même compo que la vidéo d'avant que j'affectionne particulièrement. Tu t'as déjà fait une partie avec moi sur cette compo-là? Je m'en souviens pas. Si si. Bah, filmé, t'es sûr? Je C'était préparais. hier mais bon. Ah ouais, Faute. c'était. Ah ouais, juste. J'ai oublié, désolé. Moi, j'ai pris 3 arbalétriers germaniques parce qu'ils font des dégâts de port. Et par contre, ils tirent beaucoup moins loin que les autres. Et du coup, désavantagés. Donc, je risque de reprendre une compo comme celle-là pour le tournoi. D'ailleurs, cette vidéo aussi arrivera sûrement après le premier round de tournoi. Donc, voilà. Comme ça, ils seront pas à la compo que je vais prendre. Alors sur les flancs de mes lanciers germaniques, j'ai pris de l'infanterie de mêlée, donc des guerriers agaphasites, mais pas de l'élite. Enfin pas d'élite, donc c'est ce juste en dessous. En gros, c'est de la mi-élite, c'est quand même pas mal. C'est assez bon aussi, on va dire. Donc dans mon centre, j'ai pris de l'infanterie de lanciers, donc des lanciers germaniques. C'est ceux qui sont juste en dessous des lanciers d'élite de cette faction-là. Donc ils sont vachement bons aussi. J'ai pris les mêmes, il me semble. Et pour finir, derrière, j'ai encore pris des guerriers agaphasites. Enfin voilà, j'ai pris des guerriers quoi derrière. C'est l'élite des Alains. Bon, on va retenir ça. Non, 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 l'élite des Alains, c'est la même chose, mais avec l'élite derrière. Donc là, j'en ai pris 3 comme ça, que j'ai mis un peu plus loin de ma compo originelle pour pouvoir faire un encerclement. Et j'y ai mis ma cavalerie. Donc en fait, c'est pour protéger ma cavalerie contre les piquets, en gros, que j'ai fait ça. Donc j'ai mis mes guerriers agaphasites. Agaphiris d'élite. Waouh, j'ai réussi! Agaphiris d'élite ici, mais 3 guerriers. Et 3 cavaleries, enfin 2 cavaleries Agaphiris d'élite, ainsi que mon général Alain. Et donc toi t'avais en fait 5 épéistes d'élite et moi j'en avais que 3. Et de la semi-élite sur le pour la suite. Donc je vais appuyer sur play maintenant. Donc dans les premiers moments de la partie, j'ai directement fait bouger mes troupes ici, mes archers et tout mon gros stack a commencé à bouger. Les épéistes également. Je vais faire bouger ma cavalerie un tout petit peu après et je vais le mettre sur mode marche. Comme vous pouvez le voir, Redemption lui ne bouge pas. Ce qui m'a un tout petit peu énervé parce que comme vous pouvez le voir, il y a aussi une toute petite montée, mais vachement raide. Donc, pour monter là-haut, c'est pas facile quoi. Déjà que je suis sous la race de ces archers parce qu'ils tirent vachement loin, hein, comme vous pouvez le voir. Mais d'un côté, si moi je me serais avancé, ça aurait été l'inverse, quoi. J'aurais descendu de la montagne directement sur toi, mais je prends. Enfin, théoriquement, je suis. Regarde, là, je suis déjà à bout de souffle avec mes lanciers, tu vois. Mais non. Si, si. Mais là, je suis à Merde. 9 minutes 36, hein. Je suis déjà à bout de souffle avec les lanciers. Ils ont fait quoi, 100 mètres?
Bah 200, ouais. Mais c'est parce qu'ils sont en montagne. Bah justement, ils descendent, c'est encore plus facile. Enfin. Ils descendent, c'est plus facile, mais c'est parce que c'est en montagne. Et là, on les voit en grande fatigue, je sais pas, mais. Enfin, c'est mal foutu à ce niveau-là, mais c'est parce que c'est pas les tout derniers, à mon avis. Si j'avais pris l'élite de chez l'élite des lanciers, ça aurait peut-être été mieux. Ils ont 300 d'argent en moins pour ces lanciers-là, en fait. Ouais, Donc, exact. c'est pas que dalle, quoi. On voit déjà la différence rien qu'au prix. C'est non Donc, négligeable. là, t'as toujours pas bougé. Ah non, non. Mais je suis bien là où je suis, hein. J'ai une belle Ouais. vue. C'est posé. Alors ici on est en Bretagne, hein, au cas où, c'est le territoire breton et franchement en Bretagne j'ai rarement vu autant de montagnes. Mais en tout cas là où j'ai été en Bretagne, il faut savoir que j'ai fait de la voile au Glénan en Bretagne plusieurs fois. J'ai essayé de passer le brevet pour être moniteur perfectionnement en voile. Et donc j'ai été en Bretagne et j'ai plus vu d'eau que de montagne, Ouais. Et là, moi, j'essaie de. En fait, je me suis dit, comme il a deux corps, j'essaie d'en péter un. Mais comme je vois, c'est son autre corps arriver, je me dis non, j'aimerais me réaligner pour mieux recevoir le choc. Et finalement, je vais revenir sur ma butte. voilà. Ouais, Ça aurait voilà. été inutile, mais bon, soit. Moi, Ça aurait été un personnellement. échauffement. Personnellement, j'aurais préféré que tu restes dans la vallée là sur le côté, c'était très très bien. Sur la butte, c'est un peu plus hardcore quoi. Ouais. Et moi, comme un con, j'ai attendu qu'il soit positionné pour pouvoir attaquer. Ouais, comme un Bah, con, tu dis bien, tu dis bien. il faut dire qu'il m'aurait quand même fallu un certain temps avant que mes arbalétriers soient en position pour te tirer des flèches dessus. T'aurais été en position avant donc. Parce que là, il me semble que je suis déjà à portée, hein. T'es presque à portée, t'es vraiment. Il te reste 50 mètres pour être à portée, et moi il me reste largement 200 ou 300 mètres, quoi, tu vois. C'est un peu abusif à ce niveau-là. Donc, ces archers-là, c'est clair que je vais les prendre après. Mais ils font pas spécialement beaucoup de dégâts, faut pas se fier, Bah, faut pas croire qu'ils vont tout défoncer, ils font quoi. Enfin. 45 de dégâts, moi mes arbalétriers ils font 100 de dégâts. Donc voilà, c'est ça la grosse différence. Donc là j'ai regardé, je me dis ouais il bouge mais je sais pas trop où il va aller. Donc je bougeais pas en attendant de savoir ce qu'il faisait. Ensuite j'ai commencé à bouger ma cavalerie et mon infanterie épéiste d'élite en position. Je voulais faire un contournement mais j'ai réagi trop tard au niveau de mon armée principale pour t'attirer là-bas. Donc franchement j'ai fait quelques erreurs sur cette partie-ci et je regrette parce que j'aurais pu faire une bonne partie, mais ta putain de colline ça m'énerve. Eh oui. Ouais, j'étais quand même mis ta rame, hein. Ça Ça j'étais. reste à voir, ça reste à voir. Oh, je t'ai fait mal, hein, vu ce qui s'est passé. Oh, t'as ta cavalerie, je te signale. Moi, j'en ai qu'une. Ah ouais, t'en as qu'une et tu l'utilises pas en plus. Ça Bah, c'est mon m'énerve. général, c'est mon général, Tu attends. n'utilises jamais ta cavalerie. Donc là, je fais vraiment. Je disperse mes tireurs et tout le bazar. Mes tireurs, en fait, ils ont pas du tout visé tes archers. Ils ont direct visé tes épéistes et je crois que j'aurais mieux fait de viser tes archers en premier lieu. C'est pour ça que je me suis avancé, hein, parce que j'allais pas attendre que tu tapes mon infanterie qu'elle se fasse défoncer, parce que c'est de bons arbalétriers, il me semble, donc. Ouais, les arbalétriers sont pas mal. En fait, tous les arbalétriers sont super bien. Les archers, c'est un peu moins bien, mais les tiens, ils tirent tellement loin que ça devient cheaté, tu vois. Et Oui, mais puis. quand j'ai une portée excellente, il faut pas hésiter à les prendre, parce que si vous les mettez bien à l'abri. Vous mettez deux flèches enflammées, niveau moral, ça les démoralise. Vous les pétez avec votre infanterie. Ouais, surtout que Donc, les Alains, niveau moral, on a vu mieux, quoi. Là, je suis déjà plus qu'à 40 de morale à cause de tes tirs et tout. Enfin non, c'est 40 de base et j'ai les malus qui commencent à se faire sentir. Tu m'as mis quand même pas mal de tirs dans la gueule. J'ai pas nécessairement eu beaucoup de pertes, hein, à ce niveau-là. Je suis toujours à 120 sur l'unité à gauche. Ouais, ton unité d'arbalétrier au milieu. Ouais, l'arbalétrier, c'est vrai qu'ils ont pris cher. Mais en même temps, étant donné que j'ai visé pas les tiens, bah, je les ai laissés se faire tirer dessus depuis le début. Si j'ai quand même lancé mes épéistes d'élite pour charger sur ton infanterie de lanciers pour laisser la voie libre à ma cavalerie, en fait,
Le problème, c'est qu'il a ramené son élite à lui. Donc, ça m'arrangeait pas trop. Et j'ai ramené aussi deux troupes de lanciers parce que ta cavalerie est toujours une menace pour moi plus qu'importante. Et en fait, là, ils vont aller au contact, mais c'est une erreur de ma part. Et il m'a coûté quand même cher. Donc, ici, j'aurais dû mettre les bonus un peu plus tôt. Là, j'ai vraiment été lent en fait dans cette partie. J'ai pas mis les bonus assez tôt. La mêlée est quand même bien engagée. J'adore voir les armures en fait de notre infanterie d'élite qui est en or ou en bronze, je sais pas, un des deux, mais elle est vraiment belle. T'as réussi à faire fuir tout un de mes flancs. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon. Franchement, toutes les troupes se sont dit allez, on est occupé à perdre, on se bat. Donc d'un coup, je me suis dit mais ils sont passés où mes troupes? En fait, c'était une troupe de touristes qui s'était mis. Bon, on va aller dans l'orme de Halan, pourquoi pas. Et là, t'as ta cavalerie qui charge. Ouais, là, je fais non, c'est impossible. Non, en fait, non, je gagne. Ma cavalerie charge, mais sur son. Mais merde, pourquoi ma charge a été bloquée? Je voulais voir le truc et ça s'est désengagé. Donc là, quand je voyais qu'il y avait beaucoup trop d'infanterie qui venait, j'ai fait demi-tour avec mon général et j'ai chargé dans l'infanterie pour essayer de sauver les restes de mon armée. Et franchement, ça servait à rien parce qu'il restait 12 heures balcriers et un guerrier à gaffe à vide. Donc franchement, c'était de la merde. Et là, il y a deux de nos unités qui sont côte à côte et qui font rien. Ouais. Ça, c'est drôle. Ils disent coucou. C'est la paix, coucou. Ça y est. Là, donc, j'ai fait ma petite charge contre tes archers parce que franchement, je sentais que rien que les flèches de feu ont fait fuir toute mon infanterie, donc ça allait pas. Donc là, j'ai vraiment privilégié ma petite charge qui a foiré 2-3 fois, hein, on va dire. Là, déjà à ce moment-ci, on peut dire que tout ce qui me reste vraiment valable, c'est ma cavalerie. Ouais, il te reste plus beaucoup de troupes à ce moment-là, il te reste que genre 300 hommes. Ouais, bah il me reste 192 hommes, il t'en reste 1160. Mais il me reste encore tous mes archers, et c'était genre la moitié de mon armée à ce moment-là. Ouais. Bah, sachant qu'il me restait que ma cavalerie, je suis content d'avoir quand même fait 1000 pertes, hein, parce que c'est ma cavalerie qui a tout fait. Ouais, presque. Parce que franchement, mes troupes de cac au sol, elles ont servi à rien, mais à rien du tout. Comme quoi, s'il y a une colline, mettez-vous dessus. Ouais, j'aurais dû rester en haut et te laisser venir. Non, mais je serais pas venu. Bah ouais, mais en même temps, c'est un peu cheaté, t'as vu la pente. Bah ouais, je vois. Là, ici, je vois toutes tes troupes qui arrivent, alors je me dis, allez, ma cavalerie, tu te casses de là, on va laisser mon petit lancier germanique crever tout seul. Pauvre petit lancier, il est de souffrir. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je le fasse? Voyons. Ici, il y a ma cavalerie qui charge tes derniers archers, enfin, il en restait encore deux unités, je crois. Et mes archers qui font sauf qu'ils peuvent. Ouais, qui font sauf qu'ils peuvent, mais bon. Essaye un peu de battre ta course à pied un cheval, tu vas. Enfin, il faudra déjà y aller, quoi. Quand tu veux. Non, je rigole. Quand tu. Ah, je veux voir, je filme, je filmerai ça. Donc, ici, il me reste encore une troupe de cavalerie et mon général, donc c'est tout ce qui me trouve. Tout ce qui me reste, franchement, t'as bien joué, t'as presque fait aucune erreur. Franchement, le fait que tu sois resté sur ta colline, ça m'a complètement ralenti, quoi. Mais toi aussi t'as pas d'erreur, il me semble. C'est juste que j'étais en nombre et sur une position avantageuse, donc... T'étais sur une position avantageuse, t'étais en nombre. J'ai quand même essayé de faire un contournement qui a complètement foiré, hein. Ouais. Dû à ton surnombre, justement. Oui, parce que j'avais encore la réserve, tu vois, et comme mon centre tenait bien, j'avais pas trop de problèmes à ce niveau-là, quoi. Bah, je me demande si on avait eu la même compo, ça aurait fait pareil. Et donc voilà comment la défaite... ils m'ont mis défaite valeureuse, alors que je me suis fait clairement exploser, hein. pour moi, il n'y a pas de doute, il a vraiment très bien joué, et je me suis fait défoncer la gueule. Donc, ouais. Ce qui a fait le plus de pertes chez moi, c'est clairement la cavalerie, hein.
Chez toi, Ouais. je crois que Mais c'est c'est ton infanterie l'ensemble. d'élite qui m'ont fait mal. T'en as une qui a fait 282 pertes, une 130, 130 pertes, c'est pas mal, une 188. Donc, 282. ouais, bah ça j'ai déjà dit, hein. Ah bon, désolé. Ouais, et il faudrait que tu te mettes à la page. Hein. Mais Oh oui, franchement, peut-être. je verrai pour prendre la même compo pour une prochaine fois. Mais seulement je changerai tes groupes de guerriers Saramat par de la cavalerie parce qu'il me faut au moins deux ou trois de cavalerie sinon moi je m'en sors pas parce que comme Mais non, tu prends l'ancien en moins. ouais un lancier en moins ouais c'est possible et quand même il me faut au Peut-être un moins archer en moins. Un archer aussi en moins. il me Je sais faut pas. quand même au moins deux cavaleries en plus du général donc je crois que je liquiderai des groupes de guerriers Saramat pour pouvoir justement privilégier ma mobilité. Parce que comme tu peux le voir, c'est sur ça que je me suis basé et ça a fonctionné une bonne... Bah, enfin, c'est ça qui t'a fait les pertes, quoi. Donc, c'était pas une erreur de ma part de prendre de cavalerie, quoi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à laisser un j'aime et à vous abonner pour voir la suite. Donc au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos. Ciao.